Salut tout le monde, c'est Asfax. On reteste un live sur Twitch. Alors, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Alors, depuis, il faut savoir que j'ai déménagé, changé de connexion et aussi changé de PC. Donc, c'est possible qu'il y ait des bugs, que ça s'arrête tout simplement. Voilà, au pire, j'ai une deuxième connexion internet avec une box 4G. Mais j'aimerais ne pas l'utiliser pour pouvoir être sûr d'avoir un bon réseau constant. Ok, de toute façon, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Le live sera de toute façon normalement en rediffusion sur YouTube, je pense, dès demain, le temps que je fasse le traitement de la vidéo et du montage, si jamais il y a besoin. Salut Nidalat, ça fait très longtemps. Salut Tanto, ça fait pas longtemps. Et salut les autres. Donc là, aujourd'hui, je vais tester le Yop un peu parce que il y a le serveur Monocompte qui va arriver en octobre. Je savais pas trop pour ma classe. Au début, j'étais plutôt vers les Kaflip. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup joué les Kaflip. Il est peut-être temps de changer un petit peu. Là, du coup, je me suis dit Yop R, ça peut être pas mal. Mais voilà, apparemment, c'est que le stuff, c'est pas si facile que ça. J'avais tablé un peu sur le bateau carnivore, mais en fait il faut du comment ça s'appelle, du chanvre de lin ou je sais plus quoi, bref, un truc qui est en fait sur les fungus level 180, donc je suis pas prêt d'en avoir. Donc on va tester un peu l'Yop Air, un peu l'Yop Terre, et on va voir un peu ce que ça donne, voir si déjà c'est une bonne classe ou pas. Et puis je pense que si ça marche, si mes lives fonctionnent au niveau connexion, etc., je referai d'autres lives comme ça où on testera d'autres classes avec d'autres éléments. Salut Pitchy, mais de rien, j'ai essayé de faire une vidéo assez propre, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je te conseille Sadie pour le monocompte. Ouais, Sadie, j'aime bien aussi, mais j'ai déjà joué Sadida aussi, tu vois. Yops, l'avantage, c'est que j'ai vraiment très peu joué cette classe-là. Au moins, on va pouvoir tester ça un petit peu tranquillement. Donc, Yop, je pensais partir, voilà, plutôt sur un Yop R. Je m'entends en fond, alors pourquoi? Ah oui, j'ai le son du live, ok, c'est pour ça. Ça me faisait un peu double son, c'était un peu bizarre. Donc j'ai quand même, ouais, le sort épée divine en R qui est pas mal du tout. Non, je veux pas quitter le tuto, j'aimerais bien avoir une petite panneau. Et la pression, c'est vrai qu'on tape beaucoup moins fort avec la pression, et après j'ai concentration. Mais par contre, ça me gêne, ça, tu veux pas te pousser? Non? Bon, bah je vais pousser ça. La concentration, ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi la concentration. Et après, mon gros sort terre, c'est level 80. Voilà, il faudrait que j'arrive à être R peut-être jusqu'au level 80, 100. Et puis après, passer terre, ce serait pas mal. Bon, je vais faire des tests pour le début. Vas-y, Joris, donne-moi ma petite panoplie pour voir un peu ce qu'on va avoir comme panneau quand on sera hop, sur le serveur monocompte. Tac, tac. On va essayer d'être assez rapide, hein, c'est vraiment pas le plus intéressant. Salut à ceux qui viennent d'arriver sur le live. Osafeu en monocompte, ça vaut quoi? Je sais pas trop. Osa, à feu, pourquoi pas, mais dès que tu lances des invocations, tout ça, tu risques de rallonger les combats et je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne idée. Après, évidemment, tu vas réussir tes combats, tu vas pas mourir, mais si tes combats sont trop longs, j'ai peur que tu t'ennuies et que tu te lasses vite de la classe. Ah, ça marche Tantos pour Discord. Et bah écoute, moi je pensais faire mon Discord pour la fin de la semaine, mais ouais, à la limite, je vais aller voir le tien, tout ça. S'il est bien, ça m'arrangerait parce que je suis pas super doué pour préparer les Discords, donc pourquoi pas. Hop, ça. J'équipe le reste de ma panoplie. Dites-moi si la musique du fond, un, vous l'entendez, et deux, si vous l'entendez, qu'elle soit pas trop forte. Hein. J'hésite à prendre Dofus, tu penses que ça vaut le coup avec le serveur Monocompte? Bah, si tu hésites, en tout cas, avec le serveur Monocompte, c'est vraiment l'occasion, en tout cas, de reprendre Dofus. Après, pour combien de temps? Tu vas vite voir si ça te lasse ou pas. Mais, enfin, je pense que c'est vraiment le bon moment, quoi. Aucune musique. D'accord, Tantos, ça marche. Bah, attends. Je vais me dire. Vous allez me dire, j'ai augmenté le son de la musique derrière. Hop. Parce que sans musique, c'est un peu triste. Quand même, surtout au début quand on tape du Lupus Millimulus, s'il n'y a pas de musique, vous allez vite vous ennuyer. On ne l'entend pas. Et est-ce que c'est mieux là ou pas la musique ou ça change strictement rien? J'ai augmenté le son normalement. Je vais encore l'augmenter, on sait jamais. Voilà. Ok, j'ai le Lupus machin truc. Oui, c'est bon, d'accord. Alors maintenant, faut pas que ce soit trop fort. Surtout, vous me dites quand c'est trop fort. Tac, j'ai mon chapeau, ouais, et puis voilà, et je prends l'idole et après j'arrête par contre le reste du tuto, ça on s'en fiche.
Merci Autantos pour le Discord, j'y arriverai tout à l'heure. Tac, explorer les lieux. Donc là par contre, sur le live, je vais pouvoir me balader tranquillement sur un Carnam. Je suis sur le serveur Joe là. Mais quand on sera sur le monocompte, hein, c'est ce que je disais dans la vidéo, il risque d'y avoir énormément de monde. Même si un Carnam est instancié, je sais pas, même s'il y en a 10 ou 20, s'il y a vraiment 100 000 personnes comme c'est attendu, ça laisse énormément de monde dans un Carnam et du coup ce serait très compliqué de farmer dans un Carnam, tout simplement, que ce soit les métiers ou même l'XP, ce serait très très dur. Tac, ok, je récupère ça, je récupère 2 kamas, je suis riche. Trop fort maintenant, ça marche. Bon bah c'est bon, alors là j'ai trouvé normalement un petit entre-deux, vous allez me dire. Trop fort. non bah oui, mais en fait ça dépend de la musique, c'est pour ça, ok. Tac, bon là j'ai mis un petit entre-deux, vous me dites. Hein. Ok, donc là, j'ai up et j'ai pas encore l'épée divine, donc en attendant je peux monter la pression, quitte à la rebaisser après, c'est pas le souci. Et on verra après. Là c'est bon, ça marche, merci Azerty. Alors, besoin d'aide pour vos combats. Non, là, ça devrait aller. Donc, j'ai préparé dans mon havresac, hein, donc quand je vais être level 10, je vais pouvoir l'équiper. J'ai préparé, en fait, des panoplies Pew d'un peu tous les éléments, une panoplie bouffe-tout, quelques items de la panoplie herbe, la panoplie du tofu, par exemple. Enfin, non, pas la panoplie, oui, panoplie du tofu, et puis, comment elle s'appelle, la cape du tofu fou. Hein. J'ai préparé un petit peu de live, c'est pas fait à l'arrache comme ça. Tac, excusez-moi, je n'utilise pas les raccourcis, c'est très, très moche. J'entends aucune musique, moi. Ouais, c'est peut-être pas assez fort. Tiens, un cap de l'aventurier dès le début, j'ai de la chance. Hop, donc là, je suis 3. Donc, faut vite que j'op 6 pour pouvoir avoir... mince, l'épée céleste. Ah oui, excusez-moi, vu que ça fait longtemps. J'ai pas mis la petite image quand il y a des follow. Attendez. Capture de fenêtre. Ok, tac. J'aimerais bien celle qui s'appelle... comment se nomme-t-elle? Alerte box. Alerte box, ok. Pourquoi c'est moche comme ça? C'est pas ça ce que je, c'est pas ce que je veux. Propriété. Photo. Peut-être celle-ci. Non, je sais pas. Bah écoutez, l'alerte box, ça a pas l'air de bien marcher, donc je remercierai comme ça quand il y a des follow, ce sera plus simple. Hop. Il y a plus de musique. Bah, c'est fou ça. En fait, je pense que c'est juste qu'il y a des musiques des fois qui sont pas fortes et d'autres trop fortes. Je vais augmenter un petit peu le son encore et puis vous allez me dire. Parce que normalement, il y a de la musique. Hein. Moi, sur mon logiciel, ça me marque qu'il y a de la musique. Après, voilà, c'est pas tip top. J'ai quitté, je suis revenu sur le live, la musique s'est lancée. Bah, alors ça, c'est absolument pas logique. Alors, tac. C'est peut-être sinon mon système audio qui est mal programmé pour le live. Je ferai petit à petit, on fera les réglages nécessaires pour que ça remarche. Hop. Bon, à la pression déjà, j'ai pas trop de difficultés dans un Carnam, ça va. Par contre, je mets un temps fou à XP, on va direct aller sur Astrup, ce sera plus simple. Au fait, la panoplie, elle donne quoi en tout? 8 d'initiative, 8 de vitalité, donc en tout elle donne 16 de vita, 16 d'initiative. T'as vu les prochains serveurs pour la fusion? Oui, j'ai vu que même Brumaire allait fusionner. Donc normalement, Joe potentiellement fait partie des prochaines fusions. Je sais pas avec qui on va... avec qui, mince, on va fusionner. Merci Okitaï pour le follow. Merci Eredias One pour le follow. Tac, insister pour aller à Strub. J'ai testé le Yop Monocompte pendant 7-8 heures et le résultat, c'est level 35, 60 000 Kama, panneau bouffe et alchimiste level 31. Bah, c'est pas mal déjà. Si t'arrives à avoir ça sur le serveur Monocompte, tu seras vraiment très très bien. Ok, bon, ce que je vais faire, je vais aller dans les contours d'Astrub, comme ça je vais up un petit peu plus vite. Joel et le Monster, bah, ça ferait un très très gros serveur, ce serait très bien, hein. Franchement ce serait cool. Excuse-moi Domiette, j'avais pas vu ton message. Que penses-tu du Xelor R au début pour le monocompte car Pandao me semble difficile à monter? Alors, je parle d'abord du Pandao parce que vraiment ça je connais un peu plus. Le souci du Pandao c'est que 1, il faut que tu sois 54 pour avoir un vrai sort efficace, c'est-à-dire la vague à l'âme. Et en plus, il te faudrait plus ou moins 8 PA et ça risque d'être très compliqué au début d'être à 8 PA. Donc,
Franchement, peut-être un Xelor Air. Le seul souci, c'est que Xelor Air, je connais absolument pas, donc je peux pas dire si c'est bien ou pas pour le monocompte. Ah la vache, oui, d'accord. Par contre, le Champa, beaucoup de points de vie. J'espère que ça va le faire. Je suis pas sûr de gagner en fait. Il tape du combien? Moins 24. Ouais, non, en fait, je meurs. Il faut pas que je commence par un Champa. Il me faudrait un truc un peu plus facile qu'un Champa. Il n'y a pas tant de choses de plus facile qu'un Champa. Tac. On va prendre ça. Déjà, je vais up un petit peu. Peut-être augmenter ma pression. Et puis, à la limite, je vais augmenter mes points de vie. Comme ça, je vais avoir plus de chance face au Champa. C'est le vrai Asphax, oui, je crois. Tac. Ok, bon, alors on retourne autre part. Dead by Champa, mais oui! Oui, tout à fait, mais ils sont plus forts qu'avant les Champas. Hein. Tu sais, quand t'es seulement level 3-4, ils ont 120 points de vie, t'en as 60. Ils t'empoisonnent et en plus ils te tapent, donc c'est assez compliqué. Tu es sérieux? Ben oui, tu veux quoi comme preuve? Merci, Bait Monkey, pour le follow! Ah, j'ai un Pew tout seul. Est-ce que je gère le Pew tout seul? C'est chaud aussi, un Pew tout seul. Bon, vas-y, je suis plus à ça près. Je tente le Pew seul. Il va me picorer. 72, ah, ça a moins de points de vie quand même. Hein. C'est plus faisable, je pense. Tac, tac. Moins 13, moins 15. Bon, dès que je vais être level 6, il n'y aura pas de souci. Je vais pouvoir me boost. Mais en attendant, c'est un peu compliqué. Il faut que je tue au prochain tour. Ouais, non, ça va, c'est bon. Voilà, je vais prendre plein d'XP. Donc en fait, mieux vaut faire du Pew. Je drop le chapeau du Pew rouge, ça c'est bien. Et j'up directement level 6. Comme ça, je peux tenter plutôt à l'épée divine. Donc hop, on va monter l'épée divine au max. À la limite, on va faire épée divine pression. Comme ça nous permet de comparer. Et puis à la limite, bah, je vais rester sur des Pew s'il y en a tout simple. Pour pouvoir up level 10 et puis arriver à mon havresac. Le serveur est ouvert? Non, non, pas du tout. On n'a même pas la date d'ouverture. Hein, c'est dire. C'est juste voilà, que je teste un peu les persos avant les classes. Pour être sûr de mon choix au niveau des. T'as plus 28 de dommages, c'est vraiment cheaté là-dessus le Yop, c'est vraiment très bien. C'est vraiment pour être sûr de mon choix à partir du moment où le serveur va ouvrir. Donc là, à l'épée divine, je fais du 38-40 et là, du 40-44. Ah ouais, je tape plus fort quand même à la pression. Je passe direct level 7, ok. Du coup, est-ce que je monte chance agilité? On testera après. Je mets ça de côté et quand je vais avoir les panoplies Pew, on va tester un peu la différence entre les deux Yop. Ouais, j'ai monté la pression, mais tu sais, j'ai monté aussi l'épée divine. Donc en fait, 17 à 19 et la pression. Ouais, c'est plus ou moins pareil, ok. Ok, donc là, non. Surtout, hein, commencer toujours par des groupes tout seul, hein, au début, enfin tout seul. Avec un seul monstre, sinon on va se faire défoncer. Pour passer les donjons avec succès, c'est pas mieux la compo auto-win. Alors qu'est-ce que tu dis, appelle une compo auto-win? C'est pour les donjons succès, etc. Après, il faut, de toute façon, il faut se mettre en groupe. Hein. Là, je suis vraiment tout seul en monocompte parce qu'en live, c'est plus facile et c'est pour tester. Mais après, sur le serveur monocompte, quand il va vraiment être ouvert, il faudra vraiment s'allier avec d'autres gens si tu veux passer justement tous ces donjons. Donc là, la pression à moins 47. Ah oui, en plus, ça résiste pas à la terre, donc c'est pas mal. Et ça fait des Borox quand même. Je suis déjà level 9, c'est cool. Encore un combat. L'attaque 1200. Après, sur le serveur monocompte, c'est pareil. Si vous voulez XP un petit peu, à la limite, vous prenez votre courage à deux mains, vous faites la route jusqu'à Bonta à pied et vous faites le succès d'Explo. Merci Boro pour le follow. Comment s'appelle le serveur monocompte? On ne sait pas encore. Par contre, ils ont mis une news là sur le site internet de Dofus où ils nous demandent de voter pour choisir le nom du serveur monocompte. Moins 38. En fait, ce qui serait pas mal, je pense, tout simplement, c'est d'avoir un Yop
Yopter, mais je me booste avant à l'épée céleste en fait. Je pense que ce serait le plus simple et peut-être au niveau des dégâts le plus valable. Donc hop, dans mon petit havresac, du coup je me suis mis. On va prendre tout ce qui est piou vert pour commencer. Vert, c'est l'agilité, c'est ça? Ouais, on va tester déjà le Yop Agi. On va voir un peu ce que ça donne. Et je vais me prendre aussi la panoplie piou jaune au cas où. Et comme ça, on va tester les deux. Tac. Il faut que j'up, je sais plus, c'est 13 ou 14. Merci Elliot Game pour le follow. Panoplie 8, 9, 10, 11, 12. Il faut être level 12. Bon, bah, j'up encore d'un level et puis comme ça, on teste les plusieurs possibilités. Ah oui, bien sûr, Nidalat, je vais faire une guilde hein, sur le serveur monocompte. Après, il faut attendre la guilde Allogem. Tu sais, avant, c'était assez simple. Il suffisait de faire les donjons, les doppels plutôt, et puis tu pouvais avoir facilement une guilde Allogem. Maintenant, c'est plus le cas. Il n'y a que les mineurs level 120 qui peuvent les crafter. Donc, au début, ça va être compliqué et en plus, ça va valoir très cher. C'est pour ça qu'au début, je vais plutôt faire un Discord, tout simplement, où tous ceux qui veulent jouer avec moi, ou même qui veulent avoir un Discord de référence pour pouvoir trouver bah, des gens pour le commerce, des gens pour XP, etc., pourront se réunir sans le fait d'avoir une guilde, puisqu'au début, voilà, il n'y aura pas trop de guildes. Salut Elliot Games, merci, c'est sympa, puis merci encore pour le follow. On peut les drop sur les Wasing, les guildes Allogem? Oh, je pense pas, attends, on va regarder. Attends. Wasing, la Wasing. Non, 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 il n'y a pas de. Avant, il fut un temps, on pouvait dropper les guildes Allogem un peu sur tous les monstres avec un taux de drop très très bas. Mais maintenant, non, non, il n'y a plus que les mineurs qui peuvent les crafter. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont rusher le métier de mineur. Mais de toute façon, ça va coûter cher, quoi. Salut Romy, bah oui, bah après, les gens ne sont pas habitués à me voir en live parce que je fais pas des lives très réguliers. Là, j'ai une semaine de vacances. Du coup, j'en profite pour faire un petit peu de live tranquille. Il y aura une vidéo sur quoi, Zakenpachi? Si toute la communauté s'y met, ce sera assez simple de trouver un mineur 120. Oui, c'est clair. Mais après, il faudra ensemble qu'on aille dropper aussi les ressources, etc. pour pouvoir crafter la guilde Allogem. Et puis, je pense que le mineur level 120 fera payer, et c'est normal au début, le craft des guildes Allogem. Le Yop solo, c'est feu. Ouais, mais je vais pas justement être solo. On va être en monocompte, mais je compte bien. Certes, il y a des fois, je vais jouer un peu tout seul. Mais voilà, on va être dans une guilde. En tout cas, au moins sur le Discord, tout ça. On va faire en groupe les donjons. Hein, sinon, ça risque d'être très compliqué. Merci les gens pour le follow, c'est sympa. Ouais, t'inquiète, Kelop, j'avais prévu de faire le Discord. De toute façon, je vais le sortir en vidéo de toute façon avant la fin vers la fin de semaine, de toute façon. Donc comme ça, on sera fixé. Donc, on teste la panoplie Pew. Je sais pas si je l'ai en entière. J'ai l'impression que oui, mais il faut que je vérifie quand même. Panoplie. Ah, il manque les bottes. J'ai pas pris les bottes. Merci Albondi, c'est sympa. J'ai pas les bottes. Bon, alors attendez, on va prendre ça. On va prendre 2000 kamas. Ça doit pas être très cher, les bottes. Et on va aller à Brakmar en acheter. Comme ça, j'aurai la panoplie complète. Donc la panoplie du Pew hein, se drop sur les Pew. Donc ce sera assez faisable de l'avoir en serveur monocompte. Ça se drop avec un taux de. Alors 0,5% quand on n'a pas équipé l'idole. Et si on équipe l'idole, ça c'est assez important. Il faut la mettre. Tac. On va être à combien? Je pense 0,60, 0,7% peut-être. Bestiaire, tac. Ah, on monte à 0,6%. Donc c'est pas énorme. Mais après, si vous faites des gros groupes de piou et que vous faites ça avec votre team, vous vous échangez, par exemple, si vous êtes R, vous échangez vos panoplies piou rouge, par exemple, contre une panoplie piou R. Vous voyez, vous faites des échanges comme ça va être le but du serveur monocompte. Tel devant des cordonniers. Ben ça, c'est assez pratique. Hein. YouTube et Twitch, ils se font un petit peu la guerre sur les lives. Mais c'est vrai que YouTube accepte de prévenir quand les gens sont sur Twitch. Donc, c'est assez sympa. Piou vert, voilà. Ça donne quoi? 20 d'agilité. Ben, c'est très bien. 300 kama. Tac. Voilà. Donc là, déjà, au level 12, je suis à 96 d'agilité. C'est pas mal du tout. Ouais, non, c'est bien même.
Alors si j'augmente, je vais augmenter ma vita exprès pour pas augmenter mon agilité comme ça. On va pouvoir plus comparer quand je mets la panoplie force et la panoplie agilité. Merci monsieur Donenzo pour le follow. Le serveur sort à quelle heure? Bah, c'est surtout à quelle date la vraie question, puisque on ne sait pas. C'est en octobre, mais on n'a pas encore la date officielle. Ils ont juste annoncé le serveur monocompte. Ils précisent un peu avec certaines informations, mais on n'a pas encore de date. D'ailleurs, par contre, je trouve qu'Ankama là-dessus a très bien fait les choses, franchement. Alors, après, je ne parle pas encore des lags qui risquent d'y avoir sur le serveur monocompte parce qu'il va y avoir beaucoup de gens, peut-être des déconnexions, etc. Mais par contre, il faut se dire, hein, ils vont couper les ogrines sur le serveur, donc impossible d'acheter des ogrines, impossible d'acheter aussi des panoplies avec les ogrines. Donc ça c'est très très bien. Au niveau, ils ont l'air d'avoir mis des bons trucs en place pour la restriction des IP, pour pas qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent tout simplement plusieurs personnages. Donc ça a l'air vraiment pour l'instant bien organisé. Après voilà, il y aura des bugs, il y aura des crashs, il y aura peut-être des rollbacks, etc. Mais ce sera je pense la première fois qu'un serveur va accueillir autant de personnes. Il faut savoir que ça va être un serveur international. En plus, il n'y aura pas que des Français. Donc ça risque de faire beaucoup beaucoup de monde. Tu joues à Dofus Touch? Non, j'ai jamais joué à Dofus Touch. C'est en fait juste la tablette, tout ça, ou même sur mon iPhone. J'ai pas trop envie d'y jouer. Je préfère jouer vraiment à Dofus sur PC. Même si apparemment c'est vraiment génial, vraiment bien fait. Puis il y a eu les nouveaux serveurs, tout ça, donc c'est pas mal du tout. Donc, au niveau du rock, c'est pas tant que ça. Donc de toute façon, il faut que j'augmente l'épée divine jusqu'au niveau 5. Et puis après, on va tester avec la pression. Ça remarche la musique ou pas? Vous l'entendez ou toujours pas? Je fais les petites larves, ça fait 5000 XP, c'est pas mal. C'est juste une bêta que tu testes? Ah non, non, je teste juste la classe. En fait, je suis sur le serveur Jaune là. Je suis pas du tout sur. Ouais, en tout cas, je suis pas du tout sur le serveur monocompte puisqu'il n'est pas ouvert tout simplement. Donc là, sans me booster, je tape du moins 39. Donc là, ça commence à être pas mal. Et après, du moins 51. Allez, donc là, par contre, l'épée divine, si, ça commence à être pas mal au niveau des dégâts. Oui, on entend. Bon, bah, parfait. Peau de larve. Donc là, j'ai droppé quoi depuis que je suis là? Peau de larve, patte d'arachnée, ok. Tout ça, hein, évidemment, les peaux de larve, etc. Tout va se vendre hein, quand on sera sur le serveur monocompte. Par contre, faudra peut-être attendre au début 2-3 jours que les gens aient des kamas. Hein, puisqu'au début, personne n'aura vraiment des kamas. Puisque il faut les générer, hein, soit avec les quêtes, soit avec les donjons, soit avec les succès. Je ne comprends pas Ankama en fait. Je suis joueur de Pandore et franchement ils ont du mal à le tenir. Il y a souvent de gros problèmes et là ils nous sortent une double fusion plus serveur monocompte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas une double fusion qu'ils vont faire. Ils vont faire une quadruple. Puisque demain ou après-demain, je sais plus exactement, ils fusionnent deux serveurs et ils ont déjà prévu que le 3 octobre, donc la semaine d'après, ils refusionnent encore deux serveurs. Donc oui, je suis d'accord là-dessus. C'est qu'ils accélèrent un peu les choses. J'espère qu'après ils vont réussir enfin à stabiliser tout ça. T'es déjà millionnaire avec ça? Non, mais franchement, sur le serveur monocompte, si j'ai 10 000 kamas au début, je vais être trop content, donc ça me va tout à fait. Mais déjà, quand je vais avoir une panoplie Pew sur le serveur monocompte, je serai content, parce qu'au début, ça va être la galère quand même. Hein. Pour qu'on puisse dropper exactement la panoplie qu'on veut, ça va pas être si facile. Surtout qu'au début, on va peut-être avoir plusieurs coiffes, plusieurs bottes, puis à chaque fois, on n'arrivera jamais à avoir l'amulette ou des trucs de ce genre. Donc il va falloir vraiment. Oh, 11 000 XP. Il va vraiment falloir jouer sur l'entraide pour pouvoir échanger tout ça. Tiens, salut Snixy. Je n'avais même pas vu. J'ai vu ton pseudo, mais j'avais pas vu que t'étais sur le live. Ça va et toi? Je crois que c'est la première fois qu'on se. Si, à part en message privé sur Twitter, qu'on se parle vraiment. Tac. Alors, Pooch. Oui, bah alors ça, il est trop loin, c'est chiant. Ça, c'est le problème. Hein. Il faut vraiment qu'on soit avec des crayons, pas de souci. On en trouvera assez facilement sur le serveur monocompte pour m'aider là-dessus. Par contre, le tofu, du coup, il commence à bien me gêner. Donc, on va plutôt l'attendre au loin pour qu'il arrive. Je vais m'amuser à monter mineur 100 pour la panoplie blob. Ça va être marrant, ça. Je vois pas trop la différence. Ah oui, pourquoi mineur 100? Et panoplie blob. Parce qu'à part les rutiles qui sont utilisées dans quoi, non. Je sais pas trop pourquoi tu veux ça. Tac. Hop, level 15 direct, c'est bien. Tac.
Et de toute façon, hein, il y a beaucoup de gens qui souhaitent rusher des trucs. Au final, il n'y en a pas tant que ça qui vont réussir. Hein. Ça va être très compliqué. Ceux qui souhaitent rusher mineur pour avoir la guilde Allogem, je leur souhaite bien du courage. Il va falloir être non-stop sur le jeu. Et puis, farmer, farmer, avoir beaucoup d'alliés et faire beaucoup de sacrifices. Hein. Ça risque quand même d'être très, très compliqué. Il va y avoir énormément de monde, par exemple, dans les mines. Ça va être catastrophique. Hein. Salut Sneakzy, merci d'être passé. En tout cas, ça fait plaisir. Je pense DB, ça sortira le temps que je la prépare jeudi, la suite des vidéos tuto sur le monocompte. Est-ce qu'il y a des abos sur le serveur monocompte? Alors là, je sais pas trop ta question. De toute façon, il n'y a personne sur le serveur monocompte, il n'est pas ouvert. Et après, si on parle des abonnements, en tout cas, il faut savoir que normalement, le serveur devrait être accessible aux gens non abonnés. Le seul souci, c'est que ce ne sera pas le cas, puisqu'évidemment, le serveur sera bondé de monde, donc ce ne sera pas faisable. Donc, si vous êtes non abonné, j'ai bien peur que vous allez avoir du mal à arriver sur le serveur monocompte. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je pense qu'avec un Yopper, en tout cas sur le début, je peux largement enchaîner les combats et up level 20 assez facilement. Après, ce qui m'embête, c'est les panneaux après. Je mets Twitch, je suis en live, tac. C'est les panneaux parce que bah, Toa a dit donc pas trop possible. Cap du tofu fou, ça va être possible en farmant à fond les tofus. Après, le reste des panneaux, la panoplie tofu, elle va être dure à avoir. Il va falloir énormément farmer le tofu et en plus faire le bas tofu. Donc ça risque d'être un peu chaud. Faudrait voir vraiment au niveau des panoplies que ça me bloque pas au bout d'un certain moment et que je sois pas coincé avec mon yop qui évolue plus au niveau des dégâts. Alors Sanida en monocompte, c'est génial. Hein. Il faut, si vraiment vous pouvez prendre un Sanida en monocompte, n'hésitez pas. Au début, vous allez pouvoir taper tranquillement de loin avec la ronce. Quand vous allez avoir la ronce multiple, ça va être génial pour farmer. Et puis en plus, vous allez pouvoir soit vous soigner, soit faire des bloqués, enfin bloquer avec les poupées. Donc franchement, n'hésitez pas. Il t'a dit mytho? Mythoman. Quel couillon. N'importe quoi. Tac. Encore un petit tofu, nickel. Bah, tantôt, tu vois, à force, je sais même plus si je suis le vrai Asphax, parce qu'à chaque fois, on me demande. Je t'ai bien eu. Oui, tu m'as bien eu. En effet. Tac. Le serveur monocompte sera accessible comme tous les autres serveurs. Les abonnements seront les mêmes que sur les autres serveurs, sauf que on pourra pas payer ses abonnements avec les Ogreens. Il faudra le faire via un autre serveur, par contre. Ouais, via un autre serveur, on pourra, tout à fait, ouais. On pourra dépenser nos kamas sur Jol, par exemple, pour acheter des Ogreens, abonner notre compte pour pouvoir ensuite l'utiliser sur le serveur monocompte. Et là, j'ai fait du moins 70 avec les Pédivines, sachant que j'ai pas monté mon agilité, donc c'est franchement pas mal. Ça peut faire des très bons dégâts. Et alors, si je tente la panoplie, si je me mets en mode force, je tente la panoplie force. Tac. On va voir ce que je fais comme dégâts. Si j'augmente par exemple, enfin, je mets hop, pression au niveau 5 et l'épée divine au niveau 4. Comme ça, je me booste et après, je tape à la pression. On va tester. Quoique, de toute façon, Yopper, c'est quand même plus sympa parce qu'on peut taper en zone tout autour de nous. Donc, c'est quand même vraiment bien. Je veux te dire, tu vas galérer à faire tes Doppel car tu vas pas pouvoir battre le Doppel et Nutrof en Yop. J'ai galéré, ouais. Alors après, j'avoue, je ne compte pas trop faire mes Doppel. J'en parlais un peu dans la vidéo là que je viens de faire. C'est vrai, ça m'amuse absolument pas les Doppel. Je trouve ça vraiment très ennuyeux, faire toute la route, etc. Donc franchement, voilà, les Doppel, je pense pas les faire. Je préfère faire les quêtes, les trucs de genre. Putain, je tape à moins 66, c'est pas mal aussi, Yopter, hein. Parce qu'après, avec la panoplie bouffe-tout, il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas. On va passer level 20. Et on va tester la panoplie bouffe-tout du coup. Uppermage, tu penses que c'est viable? Oui, totalement. C'est très très puissant. Il n'y a pas de souci avec l'Uppermage. Les Doppel, c'était mieux avant. Bah, c'est surtout avant, il y en avait que 12. Donc quand tu faisais la route, t'en avais quand même pour beaucoup moins loin. Alors que là,
Quand il faut faire, voilà, la route pour tous les trucs, c'est super long, quoi. Et ni en panoplie bouffe tous. Bah oui, et ni feu, c'est vraiment très très bien. Je prends pas Eneripsa parce que j'ai déjà joué les Eneripsa. Et puis beaucoup de gens vont jouer Eneripsa, donc c'est vraiment pour ça. Mais sinon, c'est vrai que et ni feu en monocompte, c'est excellent. Oula, et moi faut que je me remette un peu à la page parce que quand on me demande quel est votre serveur et qu'on me dit Dodge, je sais même pas ce que c'est Dodge. Allez, moins 70, moins 75. On va tester la panoplie Bouffetout quand même. Hein. Franchement, j'hésite vraiment entre le Yopper et le Yopter au début pour commencer. C'est vrai que le serveur monocompte, hein, ça va être vraiment l'occasion pour tous ceux qui avaient arrêté Dofus et qui ont envie de reprendre depuis longtemps sans vraiment trop savoir quoi faire, de vraiment s'y relancer, quoi. C'est un serveur Dofus Touch, ah oui, d'accord, c'est pour ça. Boum, moins 73. Moins 73. Bah, Kra en monocompte, c'est super violent. Je vais pas prendre un Kra, voilà, pareil, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont jouer Kra, mais c'est vrai que c'est très très efficace. De toute façon, voilà, les Caflip, Luginac, les Nutrophes, non, enfin, les Nutrophes, je sais pas, c'est pas ce que je voulais dire. Le Kra, enfin, toutes ces classes-là, ça va être vraiment très très puissant en monocompte. Le Yopper est vraiment pas mal au début, mais la panoplie Bouffetout, au début, il y a rien d'autre. Bah, ouais. Problème, c'est que voilà, après j'ai la panoplie du tofu que je peux tester, mais elle est pas terrible, terrible quoi. Je suis pas un grand fan de la panoplie du tofu. On va tester de toute façon. Ouais, Sadida, c'est bien. Ah bah, Kra, il va y en avoir, oui, non, ça, oui, il y en aura largement trop. Il va y en avoir plein de chez plein. Merci Zered pour ton sub, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Tac. Alors. Comment on fait ça déjà? Propriété. Ça me fait deux subs. Yeah. Paf! Merci beaucoup, c'est sympa. Alors, je l'ai pas tué. Tac. Pourquoi je le tape si peu? Je me suis pas boosté ou il résiste? Ah oui, il résiste à 20% à la terre. C'est pour ça. Les notifs refonctionnent? Oui, ça refonctionne, mais en fait, ça s'affiche pas sur le live. J'ai pas réussi à afficher le truc. Attends, je vais retester. Mais attends. Je vais retester, mais j'ai pas trouvé la bonne fenêtre. Et puis, merci Zered pour le follow. Tu fais partie des seuls mecs qui sub d'abord et puis qui follow ensuite. Alors, ajouter. Je recommence. Capture de la fenêtre. Ok. Et la fenêtre que je veux, c'est celle-ci, normalement. Mais je l'ai pas. Il veut pas me l'afficher. Ok. Ça me fait un gros truc noir. C'est bizarre. C'est pas du tout ce que je voudrais. Asphaxtes, Explorer. Non, il faudrait que je reteste ça. Je sais pas pourquoi ça veut pas marcher. En tout cas, pourquoi ça s'affiche pas. Pourquoi j'ai juste un écran noir. Ah si, peut-être qu'il faut juste. Non, ça veut pas marcher. Non, bah je supprime. On verra ça plus tard. Tac, capture de la fenêtre. Ok. Voilà. Merci Tantos pour le sub. Merci, c'est sympa. Comme ça, Tantos, t'es tout, t'es modo, t'es. Enfin, je sais pas si t'es modo, je t'ai mis en modo ou pas? Ou je suis vraiment pas sympa? T'es même pas modo en plus. T'as dû changer. Je sais pas si t'as changé de compte ou quoi, ou alors c'est moi vrai, qui est vraiment pas sympa. Je joue sur le serveur Hacham en Espagne, je veux des astuces sur mon serveur. Alors le seul souci, c'est que les serveurs Hacham, j'ai jamais mis les pieds. Et alors pour trouver des astuces comme ça, sans avoir mis les pieds, c'est quand même très compliqué. Je t'ai pas soudoyé, non, non, mais t'es modérateur de toutes mes tribus
sur Arc, tu peux largement être modérateur sur Twitch. Salut Benji Bro! J'ai pas de petits monstres faciles. Bon, on va tester la panoplie du bouffetou. Tac. Alors, bouffetou. Tac, normalement j'ai la panoplie complète si je me suis pas gouré dans mes achats. Tac. Tac, tac, tac. Et après, on testera du coup la panoplie du tofu. Je sais plus quel level c'est par contre. Pourquoi j'ai deux capes? Tac. Panoplie du tofu. Enfin, en tout cas, ce que j'en ai. Ah oui, c'est level 26. C'est pas tout de suite. Il faut être un peu plus haut level. Bon, imaginons, j'arrive à dropper la panoplie bouffe-tout grâce à des heures de farm et des heures de farm. Voyons voir ce que ça donne. Non, désolé Sam, ça risque d'être compliqué. Je sais, à moins que Ankama commence à faire des exceptions, mais ça m'étonnerait. Normalement, si vous êtes tous les deux sur la même connexion internet, je pense pas que vous allez pouvoir jouer tous les deux. Donc, il faudra tester, mais ça risque d'être très compliqué. Désolé. Et c'est vrai qu'après, Ankama peut pas commencer à faire des exceptions tout ça parce que sinon, bah après, au final, bon bah tout le monde aura deux personnages et ce sera plus du tout du monocompte. Hein. Bon alors, test de la panoplie Bouffetou avec le boost en divine. Panoplie Bouffetou, en vrai, c'est facile à drop. Oui, tout à fait. Après, il n'y a pas tant de ça de chef de guerre Bouffetou. Et vu qu'il va y avoir beaucoup de monde, ça va peut-être être assez compliqué. Pourquoi je tape que ça? Renvoie un sort. Je tape que moins. Je tape pas beaucoup plus fort qu'avec la panoplie Piou, hein, dis donc. Force 113. Ah ouais, dis donc. Je pensais que je taperais bien plus fort avec la panoplie du bouffetou. Alors j'ai plus de vita, j'ai un PA en plus, mais au niveau des dégâts, c'est un peu décevant. J'ai la panoplie complète, ouais, bah oui, j'ai mes 7 PA. J'ai que 113 de force. Après, évidemment, je peux monter ma force à 40, mais c'est pas génial, génial. Genre là, en panoplie bouffetou, donc en gros, je tape du moins 60 x 2. Et je pense qu'en panoplie Pew. En panoplie Pew, en étant Yop R, je suis plus ou moins pareil. Alors là, j'ai ça. Tac. Là, j'ai combien du coup? 96, imaginons j'augmente l'agilité à 40. Hein. Imaginons je pars vraiment sur un Yop R, j'augmente mon agilité à 40. On va tester face à des petits monstres. Salut Asax, première fois que je te vois en stream perso, j'ai testé de petits mes farms pour le monocompte en faisant un test comme toi et farm les premières panneaux, c'est simple, même s'il y a beaucoup de joueurs, les monstres reviennent vite. Ouais, tout à fait. Et puis de toute façon, je pense qu'au début, la panoplie que je vais farmer à fond, c'est le Pew, de toute façon. Et Pew, c'est ce que je disais, il y en a partout. Il y en a dans Instrup, il y en a dans Amakna, il y en a dans Bonta, il y en a dans Brakmar. Donc normalement, ça devrait plutôt bien se passer, ça me fait pas trop peur. Après, c'est vrai que chef de guerre Bouffetou, par contre, s'il y a énormément de joueurs qui essayent d'avoir la panoplie du Bouffetou, ça peut être un peu plus compliqué. Ok, donc on va voir full boost combien je fais à l'épée divine. Ah bah ça c'est clair, hein, si tu peux pas jouer avec ta copine ou tes frères et sœurs, etc., c'est très désavantageux. Mais après voilà, ils ont fait ce choix-là, ils ont pas trop le choix s'ils veulent vraiment faire un serveur monocompte. Bon, je tape à peu près pareil en panoplie Pew avec l'épée. Donc je pense que je vais vraiment partir sur un Yop R si je pars sur un Yop parce que c'est vraiment pas mal du tout. Après, du coup, ce qu'il faudrait voir, c'est avec la panoplie du tofu. Alors on va tester. Alors j'ai pris des parchemins dorés hein, pour que ça aille un peu plus vite, pour pas qu'on s'ennuie sur le live. Tac. Et je passe genre 27. 21, 23, 24, 25, 26, 27. Ok. Donc on va tester la panoplie du tofu. Je suis pas un fan de la panoplie du tofu, hein. Alors tofu fou c'est 36, je peux pas tout de suite. Toadi c'est 30. Donc bâton couillu c'est parce que je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal si je prends si j'ai pas trop de corps à corps. Ça me permet d'avoir de la sagesse. L'arachnoture. Merci Clowers pour le follow. Tac. Là, donc, on teste. Alors, je sais pas, je crois que j'ai pas la panoplie complète parce que je comptais prendre le Toadi.
Mais finalement, ça vaut peut-être plus le coup de prendre. Ah non, il n'est pas terrible le casque au fût. Il n'est pas terrible, terrible. Donc là, il manque les bottes qui sont pas trop mal. Level 23, il faudrait que j'aille les acheter. Je vais acheter les bottes s'il y en a en HDV, à moins que. Non, je les ai pas. Je vais me prendre 100 000 kamas. Et on va aller acheter ça. Tac. J'ai pas dû sauvegarder le zap de Brakmar. Tac. Le Reich mineur va être si dur que ça, Sfax. Oh, ça va être un des pires, je pense. Ah, t'imagines, déjà là, monter mineur, ne serait-ce que level 10, tu vas. Enfin, il faut que tu ailles chercher du fer dans les mines. Déjà là, c'est dur d'en avoir. Sur un serveur où il y a plus de 100 000 personnes, ça risque d'être très compliqué. Mais même avec paysans, hein, on se rend pas compte, mais je pense que les champs vont être blindés de chez blindés de monde. Et choper quelques céréales, ce sera vraiment pas facile. Après, il faut vraiment essayer bah, de soit se connecter tard, soit tôt le matin, enfin se connecter tard, soit, ou alors tôt le matin, ou alors quand les gens sont au travail, tout ça, mais c'est pas facile pour tout le monde, hein. Crois-tu qu'avec un Toadi, etc., Captofufu, c'est rentable en early, car c'est dur à drop? Je spam, désolé. Bah moi, c'est ce que j'aimerais avoir, un Toadi cap du Tofufu, ça c'est faisable à avoir, parce que regarde, le Toadi. Au niveau de la recette, c'est beaucoup de farm, hein, on est d'accord, mais ça peut se dropper, ça peut se dropper sur les champs-champs. Ça se drop sur quoi déjà? Sur les Aminites ou les Maîtres Bolets. Donc Aminites, il y aura plein de monde dans Incarnam, donc à mon avis, ils vont les farmer, il n'y a pas de souci. Les épines de champ-champ, ça se drop justement sur les champs-champs. Et les champignons Luigi, alors ça c'est un peu plus difficile, ça se drop sur les champs avec un taux seulement de 1 à 2%. Mais par contre, si tu fais le succès champ-champ, tu gagnes directement 4 champignons Luigi, donc c'est pas mal du tout. Ça peut te permettre déjà de crafter le Toadi, donc ça c'est faisable. Ensuite, la cape Tofufu, elle est très faisable aussi. Teinture magique sombre, ça va. Laine de Bouffetou noir, facile. Laine de Bouffetou royal, suffit de réussir un succès dans le donjon des Bouffetous, ou réussir le donjon Bouffetou d'ailleurs. Et plume de Tofu, faut les farmer, mais c'est faisable, ça ok. Par contre, bâton carnivore, c'est pas possible, il faut. Je ne sais plus quel item, quelle ressource, de la fibre d'osier ou de je sais plus quoi, et ça se drop sur les Fungus au level 180. Donc on n'est pas prêt d'en avoir tout de suite au début. Donc là, moi je cherche les trucs du tofu. Pantoufle, ah, il n'y en a pas, il n'y a pas de pantoufle. Bon, bah s'il n'y a pas de pantoufle, on va garder mes bottes actuelles là. Et donc là, au final, j'ai 141 d'agilité. Si je monte encore 176, je vais monter level 30 si possible. Hop, pour pouvoir mettre le Toadi. Tac. Toadi, voilà. Donc là, je suis à 200 d'agilité. On va augmenter évidemment les Pédivines au level 5. J'avais pas vu que j'avais pas monté jusqu'au bout. Tac. Voilà, 231 d'agi. On va tester ça. Et puis après, évidemment, quand on a la Capte Fufu, ça va être génial. Un PM en plus, pas mal d'agilité. Là, ça va être vraiment sympa. Donc là, il faut que je teste ça. Bah, contre, genre, tiens, testons un petit groupe de Pew. Genre, plein de Pew, ce serait pas mal. Est-ce que tu as prévu de faire plusieurs persos sur le serveur? Je sais pas trop. Franchement, j'aimerais bien me concentrer sur un seul personnage. Comme ça, je monte tous les métiers sur un seul personnage. Et puis, enfin, tu vois, j'aimerais vraiment avoir mon perso, m'identifier vraiment dans mon personnage et pas en avoir plusieurs. Merci The Dofus Game pour le follow. Bon, on va tester un gros groupe de Pew. Par contre, j'ai premier tour, il faut que je me booste. Donc c'est parti. Tac, tac. Je recule. Et puis au prochain tour, on fait de l'épée divine. Justement, le bâton du Toadi, c'est le bâton carnivore Salizali. Et je le prends pas parce qu'il sera très compliqué à avoir sur le serveur monocompte. Parce que. Ah oui, je tape du moins 90, c'est pas mal. Parce que voilà, c'est, regarde la recette qu'il faut pour le faire. On va aller voir ça tout à l'heure. Il faut du. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Et ça se drop que sur des monstres level 180. Donc c'est très compliqué. Ouais, franchement, c'est bien l'épée divine là en zone. Ça me permet de farmer très rapidement et peut-être de dropper des panoplies Pew, tout ça. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Ok, du coup, je vais te montrer. Je vais vous montrer.
Tac, on va faire comme ça. Recette associée. On prend les champignons Luigi, le bâton. Voilà. Il faut des fibres de chanvre. Il en faut 10 pour faire le bâton carnivore. Et ça se drop, vous voyez, sur les champagnes, les champignons. Enfin, il faut être super au level. Donc au début, ça risque d'être très compliqué, même si ça se drop très facilement. Vous voyez, le taux de 60 à 90%, c'est très facile. Mais il faut attendre qu'il y ait des gens qui aient atteint ce level et puissent farmer ce genre de monstre pour pouvoir en avoir. Donc au début, je vais pas pouvoir. Bah, totalement The Defus Game, hein. Vraiment, j'espère vraiment pouvoir rusher les Kamas sur un tout nouveau serveur. Ça, la dernière fois qu'il y a eu un tout nouveau serveur, c'était Dofus Touch, tout ça, j'y ai pas été. J'ai jamais testé de gagner beaucoup de Kamas avec un tout nouveau serveur, avec des HDV vides, des ressources vides, etc. Donc ça va être vraiment très intéressant. Ça se crafte pas les fibres en osier? Ah non, 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 ça se crafte pas, ça se drop, c'est tout. Donc c'est quand même assez compliqué. Merci Tito pour le sub, c'est super sympa, merci beaucoup. Tu es mon quatrième sub, la classe. Tac. Quatre subs. J'essaye de prononcer bien le sub quand même. Et du coup, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à up 36 pour tester un petit peu la cape du tofufu. Ficelle de lin se craft. Ah oui, ouais, les ficelles de lin, ouais, mais pas le chanvre. Hélas. Ah, un petit groupe sympa. Désolé, A0 Sam, merci pour le follow. En plus, je suis vraiment pas sûr d'avoir bien prononcé ton pseudo, en plus, tu vois, donc ton heure de grain. Et en plus, ça m'a fait du coup rater ce que je voulais faire sur le jeu. Bravo. De rien, mon petit infirmier. Merci, Tito. T'es sur Joel? Ouais, là, je suis sur Joel, du coup. Ah, le taper en croix comme ça, c'est quand même très appréciable. Boum! En plus, un peu de mobilité quand je vais être à 4 PM, ça va vraiment être génial. Est-ce que j'up? Non, les plumes de Pew, c'est pareil, ça je pourrais les revendre facilement, ce sera cool. Quatorze mille, c'est bien. Merde, ils sont loin. Mais là, du coup, pour ma panoplie, je suis pas mal, mais pour crafter toute la panoplie tofu, c'est chiant, hein. Bon, là, ça va. 13 plumes de tofu, 8 œufs, bec de tofu. En gros, on fait le donjon tofu, c'est bon. Mais après, il faut faire ça un peu pour tous. Et il y en a, voilà, c'est 35, 30, 30. Il va falloir faire quand même énormément de farm pour pouvoir réussir à crafter la panoplie du tofu. Je sais pas franchement si je vais m'embêter à aller farmer le tofu ou si je vais pas essayer plutôt d'up. Et puis, comme ça, quand je vais être level 38, je prends la panoplie du Prespig, je gagne un peu plus en sagesse, etc. Ce sera peut-être plus malin et moins une perte de temps. Je verrai. Franchement, je sais pas encore comment je vais faire. Ton Yop est quel élément? Bah justement, j'hésite un peu entre Yop Terre et Yop Air. Et je pense que je vais vraiment partir sur un Yop Air. C'est vraiment super agréable à jouer, même vraiment tout seul. Quand on va être avec des alliés, je vais pouvoir booster à l'épée divine. Donc c'est franchement pas mal. Donc je pense vraiment partir sur un Yop Air. Voilà, level 33, c'est pas mal. Au niveau des sorts, qu'est-ce que je peux monter d'autre? Après, j'ai friction, duel, mais voilà. Putsch, ouais, à la limite, putsch, c'est pas mal ça. On va pouvoir tester le putsch un petit peu. Testons les putsch. Ah, c'est le sondage de DJ Vince tantôt, non, celui-là. C'est bien, ça permet de voir un petit peu. De voir un peu, bon voilà, où est-ce qu'on va en être au niveau des classes. Après, par rapport au serveur mono, car en ce moment, je joue beaucoup à Dofus Touch pour m'entraîner. Je sais que pour XP, j'ai rush toutes les quêtes d'Incarnam et rush les succès style Doppel.
Ouais, de toute façon, ouais, tout à fait. Il faut absolument rusher les quêtes et puis surtout les quêtes journalières, là, comme ça. Dans Dofus, on a protégé, servir, bienvenue, c'est Kérubin. C'est ce genre de quêtes-là, c'est vrai que niveau XP, Kama, ressources, ça peut être vraiment très très rentable. Doppelv, si vous avez le courage, moi je ne vais pas l'avoir, mais c'est vrai que c'est très très bien. Bah oui, c'est ça, ouais. Non seulement ça tape bien, mais en plus, c'est vrai que c'est un peu plus original que le Yop Terre. C'est pour ça que ça me tente vraiment bien. J'ai un emblème Kama, mais j'en ai pas. Ah oui, au moins, ça te montre ce que c'est d'avoir des Kama. Tac. Bon, franchement, ça me rassure sur le. Bon là je suis en XP x2 hein, évidemment, mais même sur le monocompte je vais pouvoir up en tout cas très rapidement le level 20 avec un Yop R, ça va être très très facile. Perso je suis monté level 67 à 199 seulement avec des doppels. Eh ben dis donc, alors là chapeau parce que c'est vraiment très compliqué. Je suis content, j'ai l'impression que ma connexion tient très très bien le live, donc c'est vraiment parfait. Après, je sais pas si vous, niveau de la qualité, c'est beau, parce que moi j'ai mis en qualité minimum pour pas que ça me prenne ma connexion. Après, je sais pas si en qualité source pour vous c'est assez beau ou pas. N'hésitez pas à me redire. De toute façon, je le verrai après dans le replay quand je vais le mettre sur YouTube, mais bon, histoire que je vois si c'est pas trop dégueulasse. Ah oui, les chasses au trésor, c'est pareil. Je suis nul en chasse au trésor, mais si vous savez les faire, etc., faites-en. En plus, l'avantage, c'est qu'au début, il y aura presque pas de Kama sur le serveur. Et quand on ouvre des coffres dans les chasses au trésor, on gagne directement des Kama. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, si vraiment vous êtes tout seul, parce que quand on est en groupe, farmer, etc., c'est amusant, ça permet de drop, etc. Quand vous êtes tout seul, c'est un peu plus compliqué. Au moins, quand vous utilisez. Moins 2. Putain, j'ai plus de PM, j'ai plus de PA. Au moins, voilà, chasse au trésor, vous pouvez faire ça même tout seul. Perso, je vois très bien sur le live, sur la télé. Bon, bah, si même sur la télé, tu vois bien, c'est pas mal. On est en 720p, oui, bah, 720p, c'est pas mal. Hein. Vu la connexion que je mets, j'utilise pas la connexion de 4G pour pas que ça coupe. Donc, franchement, oui, c'est déjà très bien. Tac. Bah du coup Nida tu vas pouvoir t'amuser hein, sur le serveur monocompte. Si t'adores les chasses, tu vas pouvoir gagner pas mal de sous à mon avis. Énufeu pour le mono, ça va être c'est excellent. Il n'y a aucun souci avec un énufeu, ça va être très très bien puisque ça peut soigner, ça peut taper en zone, ça peut roxer. C'est vraiment excellent hein, là-dessus, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Voilà, tac. Du coup je suis. Bientôt 34. Sinon, après, si c'est un peu trop long, je vais aller acheter des parchemins dorés hein, pour passer 36. Et je refais encore un combat pour up. Et puis après, j'achète des parches dorés. Comme ça, on teste directement la cape du Tofufu. Quel level ton prochain sort? Bah là, c'est 36, mais c'est duel. Ah oui, je voulais tester Pooch. Alors, testo Pooch. Un qui va aller au corps à corps. Genre lui. Tac. Moins 66, ouais, c'est pas mal. Les 200 premières sont longues. Oui, tu m'étonnes. Moi, en tout, j'en ai fait 10 peut-être. J'hésite entre Eni ou Air. Bah, c'est vrai que j'ai déjà testé l'Enifeu, mais Air, je connais pas trop. Donc là-dessus, je peux pas trop aider. Osamoda pour le monocompte, c'est viable. Je sais pas trop. Déjà, je joue pas trop Osamoda donc je peux pas trop te dire. Ça risque de rallonger les combats, j'ai peur Osamoda, tu vois. Tu vas gérer, ça c'est sûr, mais j'ai peur que ça rallonge les combats. Salut Shuliro Gaming! Tac, merde, il me faut encore un combat pour up. Bon, on ne sait pas si ça va arriver en même temps que les vacances de la Toussaint, mais il y a de fortes chances. Et oui, comme tu dis, ça va être le zoo. Il va y avoir énormément de connectés. Et ça risque de faire crasher les serveurs.
Tu vas essayer le donjon Bouffetout, pas tout seul. Enfin, en tout cas, si tu parles dans ce live, non, non, je vais pas le tester. Je le testerai sur le serveur monocompte, mais avec une petite team, au moins 2-3 personnes, parce que là, je me fais défoncer, c'est sûr. J'ai pas assez de vitalité ni assez de rocks pour pouvoir gérer tout seul le donjon. Voilà, je suis level 34. J'augmente mon agilité. Tac. Je vais voir si mon chien fait pas de bêtises, et puis après, on part sur Brakmar. Acheter des parchemins dorés, comme ça je teste la cape du Tofufu. Je reviens dans 1 minute à peine. Meurs, voilà, merci le sage pour le follow. Bon, du coup, mon chien dort dans son panier, donc il n'y a pas de souci. Tac, donc. Tac. 100 000 kamas. Je vais pouvoir m'acheter 8 pare-chauds, peut-être. Ça devrait être suffisant, je pense. Pendant les vacances de la Toussaint, il y a le week-end double XP. Ça risque de faire trop sur le serveur monocompte. J'avais regardé, je crois que dans les informations que donnait Ankama, ils n'avaient pas prévu de mettre de double XP sur le serveur monocompte. Après, s'il y a vraiment un week-end double XP, peut-être qu'ils vont le mettre sur le monocompte et là, en effet, ça va être du suicide pour le serveur. 3, 4, 5. Voilà. Je peux encore en acheter un si besoin. Utilisation multiple, normalement, ça va être bon. 37, c'est bon, parfait. Et bah, à la limite, on pourrait tester la panoplie du Prespic aussi, voir un peu si je peux avoir de la sagesse et des dégâts en même temps. Donc, panneau Prespic, je vais la prendre. Tac, tac. J'équipe du coup ma. J'équipe, je sais pas ce que j'ai dit, ma petite cape. Alors là, j'ai une cape qui donne 84 d'agilité. J'ai bien peur que quand je vais arriver sur le serveur monocompte, si j'arrive à me crafter une cape, si elle donne plus 30 en agilité, ce serait déjà pas mal. Hein. J'ai vraiment une chance sur 100 presque d'avoir un bon jet. Il y a FIFA qui va sortir en octobre. Oh oui, bon ça, je m'en fiche. Il y a le serveur monocompte surtout. Oui, en effet, je pense que par contre, vu le nombre de personnes qui souhaitent s'investir sur le serveur monocompte, je sais pas trop ce que ça va donner les anciens serveurs. Ça risque de se vider un petit peu et qu'il y ait très peu d'activité. Voilà, au niveau du rock, c'est nickel, hein. Sans être boosté, je tape du moins 70 presque, donc c'est vraiment très très bien. Mais ouais, ça par contre, ça me fait un petit peu peur parce que même si je vais m'investir à fond sur le serveur monocompte, je compte bien garder ma team sur Jewel, etc. Mais après, s'il n'y a plus personne, si je peux plus rien vendre, etc., ça va être triste. Les gains d'expérience ont augmenté de 100% dans la zone Le Berceau le 22 octobre. Ah la vache, bah si le serveur a ouvert, ça va être blindé de monde. Mais j'ai bien peur que le 22 octobre, ça ne soit pas encore ouvert. Ça se trouve, ça va être vraiment fin de chez fin. Fin octobre de chez fin octobre. Hein. Donc faut se méfier. Un modo peut lui dire d'augmenter son micro. Il n'y a pas que les modos, tu me demandes directement. Après, je peux pas augmenter mon micro et c'est sûr que je parle pas très fort dans mon micro là. Peut-être au début du live, je parlais fort. À la fin du live, je m'épuise un peu vocalement, tu vois. Ah, je pense quand même qu'ils vont essayer de le mettre pour octobre, Nida. Ils ont annoncé octobre, ils savent très bien la hype que ça a. Ils savent très bien qu'ils vont se faire déglinguer si jamais c'est pas en octobre. Donc je pense franchement que ça va quand même être en octobre, mais ça pourrait être genre le 28, 29 octobre, tu vois, tout à la fin. Je vais me faire poser une voix à l'adrénaline pour le premier. Mais t'inquiète pas, Tito, je viendrai te mettre la voix d'adrénaline. Je essayerai de faire un bon dosage pour pas te tuer, mais tu vois, là au moins ça va t'aider.
Là, ça devient long l'XP. Hein. Là, je suis en XP x2 quand on sera déjà level 37 sur le serveur monocompte. Ça va être très très long déjà. Alors là, à la limite, on pourrait tester peut-être un peu les champas. Seul truc chiant. Ah, si, si, à la limite, je vais aller acheter des potions de téléportation. Alors, attendez. Alors, divers zap. Ok, comme ça j'ai le zap, ça va arrêter de bouffer mes potions. Et hôtel de vente des alchimistes. J'ai mon infirmière personnelle, mais c'est encore mieux ça. C'est encore mieux. Ouais, tout à fait Bruno, il y a certains almanachs très très rentables au niveau des kamas. Quand on sera sur le serveur monocompte, il faut absolument regarder ça. Genre Xelor, ce serait bien, j'espère que c'est pas trop cher. Oh non, c'est cher tout ça. Oui, tout à fait, Tantos, ouais, c'est clair. Mais de toute façon, ça sera pas si long l'XP parce que moi je vais vraiment pas me concentrer sur l'XP. Je vais faire mes zones en fonction du drop. Je pense que ça va être le cas pour beaucoup de gens. Mais en fait, à la fin des combats, je vais pas regarder combien j'ai XP, je vais regarder ce que j'ai droppé plutôt. Donc ce sera totalement différent, ce sera pas la même approche. Là, j'essaye d'XP assez vite pour le live pour tester la panoplie Prespic, mais c'est vrai que une fois qu'on sera sur le monocompte, mon objectif ça va vraiment être de dropper, non pas d'XP. Je m'en fiche d'être level 20 ou 40, ce que je veux c'est avoir une super panoplie, des kamas, pouvoir revendre des trucs, etc. Alors après, le prix des popos de rappel, par exemple, je sais pas vous, mais moi j'en achète plus jamais des potions de rappel. Ça sert plus à rien maintenant qu'on a le havresac. Donc si vous souhaitez farmer alchimie, je vous conseille pas trop de faire des potions de rappel. Personne ne va vous en acheter, tout le monde va passer par le havresac. Pareil, Bonta et Brakmar, moi je vais pas dépenser 3000 kamas ou voire même plus pour acheter une panoplie de Bonta au Brakmar. Je vais faire la route à pied et sauvegarder le zap directement. Ça va être beaucoup plus long, mais d'un autre côté, je vais avoir les succès d'Explo. Et puis je vais économiser, voilà, des milliers de kamas. Ouais, ah oui, la panoplie blob, mais c'est pareil, ça fait, là par contre, c'est des heures et des heures de farm pour avoir la panoplie blob. Hein. Ok, donc là, je voulais tester un peu les champas. Ouais, c'est pour ça, les succès d'Explo, Braque, Bonta, l'île de Sakai, tout ça donne pas mal d'XP. Une perf à la Keta, c'est possible. Oui, mais alors, sans prescription, on va tous les deux en tôle. Rose obscure, hein, pareil. Si vous pouvez faire les succès monstres, hein, les succès bouffe-tout, etc., ça va vous aider au niveau des kamas et au niveau de l'XP. Alors Bruce Bulgur, évidemment, il faut tester un ou deux champas maximum, hein, parce qu'ils sont bien plus puissants qu'ils ne l'étaient auparavant. Et attention évidemment aux champas bleus qui peut OS en ligne, donc n'y allez pas tout seul. Merci monsieur avec plein de chiffres derrière pour ton follow. Allez, booste-toi, booste-toi. Les percos au début, ça va être un gros truc. Non, parce qu'au début, il n'y aura pas de perco. Enfin, t'imagines, il faut, je crois, la potion pour poser un percepteur, c'est level 195. Donc déjà, il faut attendre qu'il y ait un alchimiste level 195. Et ensuite, les ressources qui sont à l'intérieur, c'est pareil, il en faut plein. Donc au début, oui, mais ce sera que dans, je dirais, 1 à 2 semaines après l'ouverture du serveur. Ouais, bah alors moi ce que je vais faire, oui, pour en revenir aux zaps qui coûtent cher, tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la route jusqu'à Brakmar-Bonta, mais je vais sauvegarder le zap d'Astrub. Et quand je vais vouloir me TP sur le zap d'Astrub, bah, je vais tout simplement me suicider. Ce sera le plus simple. Pouch, c'est galère. Hein. Tac. On m'a toujours dit que j'avais des gènes de cheval. Je suis un peu mal là, à moins que j'arrive à gros coup critique. Là, non, je pense que je suis mort en fait. Là, je suis mort. Je suis décédé. Donc, ouais, les champas, il faut vraiment être plusieurs hein, pour pouvoir y arriver. Sinon, c'est assez compliqué. Alors, est-ce qu'il me reste des kamas pour m'acheter des parches dorées? Oui. Et comme ça, on va tester la panoplie du Prespic pour finir.
Mais déjà, quand on sera sur le serveur monocompte avec une panoplie du Prespic, on commencera déjà à être pas mal. Putain, c'est pas ce que je veux. Je veux Brakmar, moi. C'est la guilde ou l'alliance qui défend les percos, c'est l'alliance entière. Mais c'est pareil, hein, pour créer une alliance, il va falloir des alliogèmes et c'est pareil, hein, il va falloir attendre qu'il y ait des gens qui soient mineurs level 160, je crois, pour les alliogèmes. Donc c'est très compliqué également. Oh, la kétel, la morphine, oui, c'est des drogues stupéfiantes, mais là, c'est dans un terme thérapeutique. On n'est pas du tout dans un terme marché noir. Tac, doré. Alpachemin doré. Est-ce que... Oui, si j'en achète 10, je suis largement 38. Je suis 37 déjà. Tac, 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 tac. Voilà, 38. Donc, testons pour finir la panoplie du Prespic, toute simple. Voilà, et puis du coup, le reste de la panoplie tofu, on va voir si c'est faisable. Donc là, au niveau de la sagesse, ça m'en donne 73, c'est pas trop mal. On va tester sur les pieux d'Astrub. Ouais, c'est les alliances qui défendent les percos. C'est d'ailleurs pas trop la meilleure idée, je trouve, hein, parce que du coup, il suffit d'être dans une grosse alliance et ton perco est totalement protégé. Je trouvais que quand c'était dans les guilds, c'était un peu plus fair-play, et puis t'avais plus de chances de gagner tes aggros de percepteurs quand, du coup, tu étais tout seul face à des guilds, quoi. Bon, ça va, franchement, c'est très jouable, la panoplie Prespic, elle est vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Bah, Dofus Kawat, hein, qu'importe les Dofus, hein, les premières personnes à avoir des Dofus, ça va être vraiment la classe. Hein. Ils vont avoir un énorme avantage par rapport aux autres. Merci Buxbu pour le follow. Ah bon, bah alors là, Sottise, du coup, n'en parlons plus. Surtout qu'il va y avoir la rediffusion sur YouTube, donc n'en parlons plus. Bon bah voilà, du coup j'ai testé un peu le Yop, je pense que je referai alors demain, je sais pas, ou peut-être jeudi, je vais voir un peu, je referai des lives cette semaine vu que je suis en vacances, et je testerai bien Luginac ou Luginac tout court, faire à peu près le même live où on parle tranquillement, je trouve ça vraiment, vraiment sympa à faire, il n'y a pas de stress, rien du tout, on y va tranquillement, et puis voilà, je trouve ça assez rapide, tester d'autres classes comme ça, Luginac ou peut-être Uppermage, tout ça que je connais pas, pour voir, pour être sûr un peu de nos choix quand on va se lancer sur le serveur monocompte. En tout cas, Yop Air, franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de la panoplie, ça peut se faire. De toute façon, j'espère réussir à m'en sortir pour gagner plein de kama et du coup pouvoir m'acheter mes panoplies sans trop de difficultés. Merci Chenny pour le follow. Et puis, voilà. Comme ça, mon objectif, ce serait ouais, d'avoir panoplie du Piou Vert. Enchaîner peut-être un peu sur panoplie du tofu, mais surtout le vrai objectif c'est d'avoir la cape du tofu fou, le Toadi et la panoplie du Prespic. Tu pratiques quoi comme métier? Alors je suis infirmier et j'ai entre guillemets eu une promotion, j'avais postulé pour le poste tout ça. À partir du 3 octobre je serai infirmier au bloc opératoire, donc pour ça au début pendant 2 ans je vais être en fait au bloc opératoire en tant qu'infirmier. On aide les chirurgiens, on fait tout ce qui est l'hygiène, la préparation du patient etc. Et puis après il faudra que je reparte en formation pendant 2 ans dans un CHU pour pouvoir... en fait, me spécialiser et du coup devenir infirmier de bloc opératoire diplômé d'État. Voilà ce que je fais exactement comme métier. Ah bah oui, Crésus, hein, Yop, c'est très très bien pour le serveur monocompte, c'est ce que je compte faire aussi. Merci Ayuno pour le follow. Et bien le bonjour Zeyard, tu arrives à la fin du live. Donc je vais y avoir le replay sur YouTube, je pense, dès demain. Pour la série de Pandore, je l'ai quasiment terminée. Donc je pense mettre la vidéo soit demain, soit mercredi sur YouTube. Et puis entre-temps, voilà, on refera un live pour tester d'autres nouvelles classes. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouvera du coup bah, pour la suite des lives et pour la suite des vidéos. Bonne soirée et puis bah, bon courage pour ceux qui travaillent demain. Salut !